Ce qu'il vient est une tuerie. Je dirais même que c'est la série de la fin des temps du monde mondial. Ah bah ta série au monde mondial de la... Qu'est-ce qu'on dit? C'est quand même la wave. Je suis Blanche Domi, actrice de cinéma camerounais. J'ai incarné le magnifique et merveilleux rôle de Maître Ouya, cet avocat-là qui est, même si ça ne se voit pas dans le fond, est très très heureuse sous la houlette et la tyrannie du grand-papa Bouma. Les difficultés proprement dit, j'en ai pas rencontré, si ce n'est de citer que une semaine avant que je n'entre sur scène, j'ai subi une agression qui n'avait rien à voir avec mon métier et qui m'a carrément mise en quarantaine avec les deux mains. Donc la production a dû faire avec et on a dû trouver des moyens palliatifs pour gérer tout cela. Et je vais féliciter cette production qui a su prendre soin de moi. J'étais en convalescence, très très malade, très très faible. Mais avec les encouragements du réalisateur, du producteur, du grand monsieur Simon William Koum, j'ai tenu le coup et la force qu'il m'a donnée m'a remis cette force à l'intérieur et j'ai donné le meilleur de moi. Avec les collègues, toutes les fois où j'étais là, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a eu aucun moment négatif. Je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas très très présente sur le plateau, parce que dès que j'arrivais, on me faisait tourner et je partais. Mais du moment où j'étais là, tout était tranquille, le sourire, les causeries, tout allait bien. La Wave Film Production, je dirais que c'est sûrement pas une nouvelle maison de production, mais c'est l'une des deux rares maisons de production à qui je donnerais le grand chapeau. S'il y avait des awards pour primer une maison de production, je crois que si elle ne sort pas première, elle devrait être deuxième dans le Cameroun actuel, parce que c'est une maison de production qui ne blague pas avec ses acteurs, qui fait ce qu'il faut là où il faut et qui met tout le monde à sa position. Personne n'est frustré et quand bien même un acteur ou un technicien aurait déraillé, le grand boss, j'aime bien l'appeler comme ça, même si lui n'aime pas, malgré le fait qu'il soit un peu dur et parfois impulsif, il faut le dire, il trouve toujours un moyen de tout ramener à l'ordre sans offusquer celui qui est en face de lui. Vengeance, je dirais que tout le monde devrait regarder cette série parce que ce qu'il vient est une tuerie. Je dirais même que c'est la série de la fin des temps du monde mondial. C'est quand même la wave. Ma papa, ma maman, ma fan un but solo de vengeance. Dans ta série. Ta série pour le monde mondial. Je suis Blanche Domi, restez scotché vengeance. Oui, allô? C'est sa maîtresse qu'il aime et qu'il adore. Comment peux-tu avoir mal si tu n'as pas d'âme? Tu mens à ta famille, tu mens à tes enfants en prétestant être l'homme que tu n'es pas. Tu n'as pas le droit de me juger. Il est tout à fait normal que ce que je ressens pour toi ne soit pas réciproque. Je voulais te dire que j'ai également développé des sentiments pour toi, mais j'ai peur de souffrir. Oh, mon fils s'empoisonne avec la mère de
m'importe dans cette ville. Tout ça c'est ta faute à cause de toi. Merde. Toi tu es un bouma. J'ai issu d'une famille lourdement riche. À cette allure vous allez finir par inviter les fous dans cette maison. De toutes les filles qu'il y a dans cette ville, c'est cette chose que tu me ramènes. On vient de me signaler une disparition dans la villa Bouma. Vous deux, venez avec moi. La vie de Maya est en danger. Et nous disputer maintenant ne nous servira à rien. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, c'est pour obtenir ce qui me revient de toi. Qui sont ces gars et qu'est-ce qu'ils me veulent? David, attention! Je suis atteint d'un cancer. J'en ai maximum un an à vivre. Je ne peux même pas faire ça, madame. Ça commence déjà à m'énerver qu'on me pointe une arme partout dans cette vie. Et cette fois sera la dernière. Oh my God. Ah!